Bonjour à tous. Nous sommes dans ma salle de bain. Alors, c'est un petit peu ancien, c'est pas très très glamour et très joli, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Nous devons faire des travaux prochainement, donc voilà, ça prend du temps tout ça. Donc, je reviens vers vous pour mon soin du visage. En fait, c'est un peu ma routine du dimanche. Voilà, parce que vous allez voir qu'il y a des étapes que je ne réalise pas tous les jours, bien sûr. Là, je vais me laver le visage, je vais me gommer le visage dans la salle de bain. Et puis après, nous allons rejoindre la cuisine où je vais faire quelques petits soins complémentaires. Et je vais poser aussi un masque. Donc ça, le masque, je ne le fais pas tous les jours, je le fais que le dimanche. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc ça tombe bien. Et on va commencer par laver le visage. Donc je vais faire couler l'eau, vous allez entendre l'eau couler. Voilà. Donc je me suis lavé les mains au préalable. Je vais mettre un petit serre-tête pour repousser un peu ma mèche et me dégager le visage. Et je vais mouiller mon visage avec de l'eau tiède, pas trop chaude, juste tiède. Je vais ensuite prendre mon savon pour le visage de la marque Balea qui est au lotus. Il est difficile à ouvrir, mais je l'adore. Il est vraiment très très bien. Donc c'est un gel lavant tout simplement qui est de couleur transparente. Je le frotte un petit peu dans mes mains et je vais émulsionner sur mon visage. Sans oublier le front, les sourcils, les ailes du nez. Donc bien sûr, je ne fais pas le... Comment? Je ne fais pas le contour des yeux hein, avec le produit. J'essuie un petit coup mes mains. Et là, je vais prendre ma petite brosse nettoyante. Oh, j'ai mal remis le bouchon. Je mouille un peu les poils. Et je vais donc faire émulsionner encore un peu davantage le produit en fait sur mon visage. Donc la brosse est toute douce. Vous avez fait une vidéo sur cette brosse en fait où l'achat de la brosse était un petit peu une arnaque. Et bon, vu que j'ai reçu la brosse quand même, je m'en sers et en tout cas la brosse est très très bien. C'était le principe de vente en fait de ce site qui était un peu une arnaque puisqu'en fait ils vous forçaient en fin de compte sans vraiment vous prévenir à prendre un abonnement chez eux qui était horriblement cher. Une fois que j'ai terminé, je vais bien sûr rincer ma brosse. Je la range. Nous sommes revenus dans ma cuisine. Donc en fait, je souhaitais faire un gommage du visage, mais je ne vais pas le faire. J'ai eu un petit souci en fait dans la salle de bain. Donc tout simplement, j'ai eu un saignement de nez. Et donc, j'ai pas envie de trop tripoter mon visage. Voilà, pour l'instant. Donc j'ai des soucis en fait de vaisseaux sanguins qui cassent assez souvent au niveau du nez. Et surtout en cette période où en fait il fait très froid dehors, donc on a du chauffage bien sûr un peu plus élevé à l'intérieur, ce qui fait que ça assèche énormément les muqueuses. Voilà, donc une fois que j'ai nettoyé mon visage, je vais tout simplement prendre une eau micellaire. Donc moi, ce sera celle de chez Leclerc, donc Inel, de la marque Repair. Donc le packaging nous fait beaucoup penser à une eau micellaire très, très appréciée, donc la Bioderma. Voilà. J'aime beaucoup cette eau micellaire. Elle coûte à peine plus de 2 euros. Entre 2 et 3 euros et elle fait 500 millilitres, donc vous en avez vraiment pour longtemps. Donc j'ai pris mon petit miroir à côté, je passe de l'eau micellaire sur mon visage parce que même si je viens de le nettoyer
avec une base lavante pour le visage. J'aime bien en fait repasser une eau micellaire parce que j'ai un peu la peau qui tiraille vu que j'ai la peau très sèche. Voilà. Donc je ne lave pas mon visage à la brosse comme je vous l'ai montré tous les jours, hein. Habituellement, je préfère simplement laver avec mes mains dans la douche le soir et je rince bien à la douche. Voilà, hein, la brosse c'est une fois par semaine hein, parce que moi j'ai la peau très sèche et très sensible et assez fine. Et si je prends la brosse tous les jours, j'ai plus de peau. C'est le cas de le dire. Voilà. Et donc maintenant, comme nous sommes dimanche, je vais appliquer un masque. Donc là, j'ai choisi un masque en tissu hydratant qui est assez rigolo. Donc là, vous n'allez pas le voir parce qu'ils ont mis une étiquette dessus. Donc c'est de la marque BioAqua. C'est une marque que vous pouvez trouver sur AliExpress. Et franchement, je l'adore. Je ne suis pas la seule à la maison puisque ma fille l'a testé aussi. Elle est en train de tester pas mal de produits BioAqua justement pour vous en faire une revue. Donc n'hésitez pas à surveiller sa chaîne aussi si vous êtes intéressé par les produits BioAqua. En tout cas pour voir ben, de quoi il retourne de ses produits et si vous voulez peut-être un jour les tester. Donc ce sont des produits que l'on commande sur AliExpress. Je sais que vous êtes assez réticente souvent de commander des produits sur AliExpress, mais nous on en commande régulièrement. On n'a jamais eu de mauvaise surprise jusque-là. Et en tout cas, pour la marque BioAqua, on n'a eu vraiment que des bonnes surprises. Au contraire, ce sont des produits qui sont toujours très bien emballés. Non seulement ils sont dans des boîtes, mais en plus, la plupart du temps, ce sont des produits qui sont sous blister, en plus de la boîte. Donc vraiment de super produits, quoi. On n'a jamais eu de problème. Donc voilà à quoi ressemble le masque avant que je ne le mette sur mon visage. C'est très chouette. Moi j'adore. Alors moi j'aime tout ce qui est un peu fantaisiste. Vous allez vous dire, elle est complètement folle. Mais j'aime bien. Je trouve ça assez sympa. Donc ces masques de chez AliExpress, vous voyez, sont un peu prédécoupés au niveau du menton, au niveau des tempes. Donc en fait, vous pouvez vraiment l'appliquer selon la forme de votre visage. Voilà, je vais repasser un morceau par-dessus l'autre. Là aussi, hop. Et comme ça épouse la forme de mon visage. En fonction, ben, si vous avez un visage plus rond, un visage plus fin, ça va à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt sympathique parce que vous avez certains masques tissus comme ça qui en fait ben, sont beaucoup trop grands ou trop petits. Là au moins on est tranquille. Alors je l'ai un petit peu pressé sur un mouchoir avant de l'appliquer sur mon visage parce que ces masques en tissu asiatique sont toujours très 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 imprégnés. Je suis sûre que si on regarde dans le paquet, je parle un peu bizarrement hein, avec le masque. Si on regarde dans le paquet, on va pouvoir voir du liquide, voyez? C'est un liquide assez pas gluant, mais c'est pas complètement liquide. C'est un petit peu épais, un peu fluide, pas liquide. Voilà, comme un sérum un petit peu. Donc voilà, je vais laisser poser ce masque pendant à peu près entre 20 minutes et une demi-heure. Voilà. Donc là, il est 16h32 chez moi. Nous sommes dimanche. Voilà. J'ai une tête de tigre, j'adore. Je vais aller faire un petit tour voir mon chat et mon chien pour voir un petit peu quelle tête ils font. Et puis je vous redirai ça tout à l'heure. Voilà, je reviens vers vous d'ici une petite demi-heure afin de terminer les soins du dimanche soir. Donc là, c'est l'après-midi, hein, mais bon, dimanche, il n'y a pas d'heure. Hein, voilà, donc je ferai mes soins du soir tout de suite après avoir enlevé ce masque. Ça sent très bon en tout cas. Je vous dis à tout à l'heure, bye! Me revoilà pour retirer le masque avec vous et faire les petits soins complémentaires. Donc il a séché à certains endroits, mais il est encore quand même relativement bien humide, hein.
Donc ces masques sont tout doux, ils sont vraiment très très confortables sur la peau. Donc ce que je fais une fois que je l'ai retiré, je masse un petit peu l'excédent de produit qu'il peut y avoir. Donc comme je vous l'ai montré, ça ressemble un peu à un sérum. Voilà, tout a pénétré dans ma peau. La peau est toute fraîche. Je la trouve un peu repulpée, un petit peu rebondie. Bien sûr, pas au niveau du pourtour des yeux, puisque le masque ne fait pas le contour de l'œil, hein. Donc maintenant, pour hydrater mon contour de l'œil, je vais prendre justement un soin contour de l'œil Eye Cream Wonder de chez BioAqua, que j'ai aussi eu sur le site AliExpress. Donc c'est ma fille qui me l'avait commandé, elle me l'avait offert. Donc je regarde par ici parce qu'en fait j'ai mon miroir pour pouvoir appliquer le soin. Donc pour le contour de l'œil, je fais plusieurs petites gouttes comme ça. Voilà. En général, j'en mets à peu près 4. Ce soin contour des yeux est vraiment très 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 bien. Il est hydratant sans être trop nourrissant. Donc du coup, quand vous l'appliquez le soir juste avant d'aller vous coucher, vous ne vous réveillez pas avec des grosses poches sous les yeux parce qu'il ne va pas trop nourrir votre contour de l'œil. Mais il va quand même bien l'hydrater parce qu'il ne faut pas confondre une crème nourrissante et une crème hydratante. Une crème nourrissante va apporter du gras alors qu'une crème hydratante va aider votre peau à retenir l'eau en fait. Votre épiderme a besoin d'être chargé en eau afin que votre peau ait une apparence belle et bien élastique, bien rebondie, bien lisse, etc. Si votre peau ne retient pas suffisamment l'eau dans les couches de l'épiderme, vous avez une peau déshydratée, c'est-à-dire desséchée, qui va générer des desquamations, la peau qui tiraille, des démangeaisons, voire des irritations. Donc voilà, j'applique bien le contour. Donc je pars toujours du coin interne et je vais vers le coin externe, que ce soit au-dessus ou au-dessous. Il est conseillé de tapoter légèrement son contour de l'œil afin de stimuler la microcirculation du sang, donc dans les vaisseaux qui se trouvent sous les yeux. Ça évite un petit peu l'engorgement des vaisseaux et donc le gonflement en fait de cette partie-là. Et en même temps, la microcirculation va bien stimuler la régénération des cellules en fait. Voilà. Une fois que j'ai appliqué le contour de l'œil, je vais appliquer ma crème qui là en l'occurrence c'est la crème de nuit puisqu'il est 17h donc 17h05 donc je vais mettre ma crème de nuit. Donc c'est de la collection Balea donc de chez DM. Malheureusement, on peut trouver ces produits qu'en Allemagne. Donc moi je les avais eus par le biais de Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde. On a fait un swap ensemble justement dans lequel on s'échangeait des produits que l'on pouvait trouver par chez nous chacune. Donc elle habitant en Alsace peut aller en Allemagne chez DM et n'ayant pas d'action tout près. Donc ma crème qui vient de chez DM, donc la crème de nuit. J'ai la même en crème de jour hein, puisqu'elle m'avait mis dans le swap le combo. Mais j'utilise pas tous les jours une crème de jour en fait. Moi la crème de jour me dure assez longtemps en général parce que j'utilise la crème de jour seulement quand ma peau en ressent le besoin en fait. J'utilise pas forcément systématiquement une crème de jour. Par exemple si je reste à la maison le matin je vais nettoyer mon visage, enfin rafraîchir mon visage avec une eau micellaire, un petit tonique. Je vais mettre un sérum, mais je ne vais pas forcément mettre une crème hydratante si je reste à l'intérieur. Voilà. J'en ressens pas forcément le besoin, étant donné que ma crème de nuit est quand même relativement riche. Le matin, ma peau du visage en tout cas, parce que mon corps, c'est pas du tout le même cas, mais la peau de mon visage n'est pas desséchée. Donc je n'ai pas le besoin de mettre. Enfin, je ne ressens pas le besoin en fait de mettre une crème forcément le matin. J'en mets parfois, hein. Ça dépend des jours.
Alors après, je devrais peut-être le faire régulièrement, c'est vrai. Mais effectivement, j'avoue que je ne le fais pas tous les jours. Et dernier petit soin, on va dire, que je vais m'attribuer, c'est un baume pour les lèvres. Donc là, ce sera le baume de chez Yves Rocher à la canneberge et à l'amande, donc la collection de Noël 2016, hein, la dernière. Voilà. J'aime bien ces petits baumes à lèvres, ils sentent bon, ils sont très hydratants. Donc moi, j'en mets vraiment tout autour des lèvres. Hein, voilà. Il va falloir aussi que j'exfolie mes lèvres. Donc là, je vais laisser le baume à lèvres agir. Et puis, tout à l'heure, soit avant le repas, soit avant d'aller au lit, je ferai un petit gommage au niveau de mes lèvres. Et je remettrai un baume à lèvres qui est encore plus hydratant, en fait, pour la nuit. Voilà pour mon petit soin routine, on va dire, entre guillemets, du dimanche au niveau du visage. Donc, au niveau du corps, bien, je vais prendre ma douche tout à l'heure avant d'aller me coucher. Je vais faire un gommage du corps, bien sûr, puisque en fait, j'ai la peau très, 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 très sèche au niveau du corps. Là, vous n'allez pas bien voir parce que je l'hydrate, je l'hydrate, je l'hydrate, j'arrête pas. Mais en fait, j'ai de la desquamation, en fait, ma peau pèle, ça me démange au niveau de la poitrine aussi, sous la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des hanches, au niveau des cuisses. En fait, le froid m'agresse la peau, voilà, tout simplement. Pourtant, je bois régulièrement de l'eau dans la journée, je bois du thé, je bois des tisanes pour m'hydrater, puisque l'hydratation ne se fait pas qu'au niveau des couches supérieures de l'épiderme. Si on veut avoir une peau bien hydratée, il faut aussi ingérer de l'eau. Donc voilà, je bois quand même beaucoup dans la journée, mais c'est vrai que je suis un petit peu feignante sur l'hydratation de ma peau après la douche. Voilà, c'est pas une étape que. C'est pas que j'aime pas, mais voilà, j'ai la feignantise en fait de le faire vraiment régulièrement. J'admire les femmes qui arrivent à, ou même les hommes, hein, qui arrivent à se tartiner de crème matin et soir. J'en rêve hein, parce que j'ai la peau tellement sèche que franchement c'est fatigant. Mais je n'y arrive pas. Enfin, j'ai la flemme, quoi. Voilà, tout simplement. Donc bon bah là j'ai pris des gels douche, on va dire, adaptés justement à ce type de problème. Parce que non seulement ça me démange et c'est sec, c'est pas agréable. Mais en plus ça commence à me faire mal. Donc ça commence à générer des irritations. Et là, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus embêtant. Donc voilà, cette nuit par exemple, à 4h du matin, je me suis réveillée, j'avais horriblement mal au niveau du dessous de la poitrine, etc. Donc j'ai été obligée de me tartiner de crème au plein milieu de la nuit. Voilà. Mais bon, ça allait mieux après. Donc si vous avez des infos, des produits que vous pouvez me conseiller justement pour calmer ces irritations, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, marquez-moi tout ça en barre d'infos. Vos conseils et votre expérience seront les bienvenus. Et puis, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Dans la semaine prochaine, ou cette semaine, enfin, dans les jours prochains, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur mon rangement maquillage. Donc, j'ai pas encore tout à fait fini de tout ranger. Mais ça va venir. N'hésitez pas aussi à participer au concours qui est justement actif en ce moment sur ma chaîne, donc jusqu'au 28 février. Vous avez encore le temps hein, de vous abonner, de remplir les conditions du concours, etc., etc., de participer donc. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à aller faire un petit tour sur la chaîne de ma fille si vous en avez envie. Et puis, donc toutes les coordonnées en fait hein, sont dans la barre d'infos sur la vidéo concours. Voilà, vous pouvez pas vous tromper, c'est le premier concours de ma chaîne. Je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très vite. Bye!